le reste de l'Afrique et également en Côte d'Ivoire, de leur esprit à germer cette idée simple mais généreuse de célébrer la grande capacité de Simone et Idée Gbagbo. Je voudrais remercier particulièrement la présidente du mouvement En face moi de Yves Bango Kappa. Chère maman, chère soeur, chers enfants, membres de ce mouvement, c'est moi qui ai été capable. Mesdames et messieurs, les membres du comité d'organisation, je voudrais de tout mon cœur vous remercier pour l'initiative que vous avez prise cette année de célébrer mon anniversaire ici à Yopougon. Cela est la preuve et la considération est la preuve de toute la considération et de toute l'estime que nous me portons. Chère maman, chère sœur, chère fille, à ce jour du 20 juin 2021, la joie est grande. Parce que par cette initiative-là, vous m'avez, d'une certaine manière, légitimé. J'ai dit ma joie à tout parce que, à côté de cette date d'anniversaire, le jour même de cette date d'anniversaire, Dieu nous demande de fêter tous les papas. Donc, vous tous qui êtes dans la salle et qui êtes des papas, vous qui êtes des futurs papas, bonne fête à vous. Au père, au papa, le rapago. Merci à tous, merci à
vocabulaire. Que Dieu vous rende le bonheur de cette journée. Que Dieu vous le rende en grâce. Que Dieu vous le rende en bénédiction. Que Dieu vous le rende en réalisation concrète dans vos vies. Ouvre toutes vos portes de bénédiction. Que Dieu ouvre sur vous les écluses des cieux, les trésors qu'il tient dans les lieux célestes, qu'il ouvre le portail du ciel et il vient là-bas, en Europe, à Paris, et dans une joie, dans une liesse qui est extraordinaire. Car je vous dis, il y a Dieu. De solidarité, vraiment merci que Dieu vous bénisse. Je voudrais enfin remercier tous ceux et toutes celles qui, par leur présence physique, par leur apport intellectuel, matériel et financier, ont contribué au succès de ces deux jours de célébration. J'ai apporté deux jours de célébration. Merci au ministre Guillaume Béni. Je ne sais pas s'il est encore là. Il est là. Frère, frère, frère de toujours, merci. Tu es resté le même. Aussi brillant, aussi beau parleur. Prêt à témoigner. De moi, vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse ta chambre. Merci, ministre Domino. Domino n'a pas pu arriver, il est venu lui-même physiquement. Il n'a pas pu arriver. Mais même s'il n'est pas venu, il nous a fait parvenir quand même son texte que hier après-midi, nous avons dégusté. J'étais vraiment presque prêt à me cacher sous une table pendant que j'écoutais tout ce qu'il disait, tout son témoignage sur ma vie, sur mon militantisme, sur la vie dans le parti. Et puis il a beaucoup de mémoire, donc il va ramener à mémoire beaucoup d'événements que nous avons vécu. Beaucoup de chemins que nous avons parcourus ensemble. Donc, Mélo, que Dieu te bénisse. Merci à tous ceux qui ont participé au débat. Alors, il y a eu le débat. Et aujourd'hui, il y a eu le quiz. Je voudrais relever un petit détail qui ne correspond pas vraiment à l'histoire. C'est bon que ce soit bien corrigé. Je n'ai jamais dirigé un parti communiste en Côte d'Ivoire. Par contre, quand j'ai commencé moi-même ma marche et mon initiation à la politique et mon militantisme, j'ai travaillé dans une organisation d'obédience communiste. Donc, c'est vrai, j'étais communiste, mais pas dans un parti. Voilà. À cette époque-là, on n'avait pas encore créé de parti. On avait juste une organisation communiste. Parce que nous étions dans la clandestinité. Si tu dis parti là, à l'époque-là, on pouvait se trancher la tête. Hein. Donc on a dit organisation communiste. Voilà. Le parti que j'ai eu à diriger, c'est le Front Populaire. Merci à tous ceux qui ont fait des témoignages sur ma vie. Félicitations à ceux qui se sont prêtés au jeu du quiz et particulièrement.
Premièrement, mes félicitations aux heureux Camerounais. Merci à tous les artistes. Merci à tous les groupes de danse qui ont animé la fête. Merci à toutes ces délégations qui sont venues de divers horizons du pays pour venir fêter aujourd'hui avec moi. Ils sont venus de l'intérieur du pays, en car, pour venir fêter ici avec moi. Que Dieu les bénisse. Maintenant, le temps est arrivé d'apposer une signature sur les livres que vous avez bien voulu acheter et qui retrace un petit peu tous ces contacts que nous avons eus dès ma sortie de prison, tous ces échanges que nous avons effectués dès ma sortie de prison pour que cela demeure, que ça se pérennise, que ça ne se perde pas, que ça ne soit pas emporté par les vents, mais qu'au contraire, ce soit fixé effectivement, que l'on voit, que l'on lise, que l'on entende, que les Ivoiriens ont beaucoup souffert pendant la crise. Et que les Ivoiriens ont beaucoup perdu pendant la crise. Mais que les Ivoiriens sont conscients de ce que, pour que leur pays continue d'être ce pays de la grande fraternité, il faut qu'ils acceptent de faire le pas, de se mettre au-dessus de leur souffrance, de leur récrimination, de leurs amertumes pour aller au pardon et pour aller à la